Voici un beau cheval, un fils de Caproc, on le retrouve. Foxtrot Delmar, il est présenté par Jean-Charles Escalé. 13,53% de sang arabe. Et opérette de Bréjou, quelle belle famille, opérette de Bréjou, la fille Néoline de Bréjou, la grande matrone gagnante elle-même du Grand Prix des Anglois à Valonchamp. Mère de Violon et Nabucco de Bréjou, des chevaux formidables en obstacle, Nabucco de Bréjou. 14 victoires, sans compter ses 3 victoires en plat, 243 000 euros de gains. Et Violon de Bréjou, le balcon entraîné par Guy Chérel, 7 victoires en plat. Lui d'un obstacle, 286 000 euros de gains. Ce sont les frères et sœurs de la mère du poulain ici. La mère opérette de Bréjou, elle-même lauréate, et déjà mère de Henri Planem Delmar, qui, on s'en rappelle, a été le premier gagnant de Full of Gold. Très bon cheval, 3 victoires en plat et 4 victoires en obstacle. Voici une origine de sauteur. Voici une vraie origine de sauteur et une telle origine attire bien sûr de nombreuses convoitises à tel point que le sticker à vendre en haut à droite de la page n'est plus valable parce que le cheval vient d'être acheté par Guillaume Macaire. Rien que ça, Guillaume Macaire a acquis le 61 Foxtrot Delmar. Vous voyez qu'il y a bel et bien un intérêt national pour les meilleurs éléments anglo-arabes, si tant est qu'ils aient des origines d'obstacles. C'est le mot magique, obstacle, qui permet de faire vendre ces beaux mâles anglo-arabes de 2 ans.